Amis joueurs et amis joueuses, salutations, bonjour, bonjour pour notre émission qui, nous l'espérons, au-delà du coronavirus, deviendra une quotidienne. Euh, peut-être pas de suite, mais pourquoi pas, oui. Ah, une hebdomadaire alors non, non, une hebdomadaire, c'est déjà ce qu'on fait, oui. mais une quotidienne, ça sera pour. Euh, on va laisser peut-être deux ou trois mois. Ah, il va falloir qu'on basse le son parce que sinon, ah, on, oui, on va exactement. se parler. <laughs> mais, mais on est pas mal. <laughs> Et voilà. Euh, C'est notre euh, débrief ludique de la semaine, notre euh, grand journal un petit peu à nous. Alors après, le format oui. est en construction. Euh, donc, du coup, on aura une fois encore, parce que sans vous, nous, on n'est pas grand chose. Enfin, si, il y a Florian quand même, hein, heureusement. Oui. Mais euh, on aura besoin de vos retours. C'est un petit peu comme un moisnal mais en un petit peu plus centré sur la semaine. Oui. Et euh, puis, peut-être une fois par mois, on aura un vrai hebdo... gros moisenal. Un hebdozenal. Un, euh, ouais, un hebdomazenal. Oui. On va essayer de trouver un autre truc <laughs> sur la semaine Le grand journal. Alors, bienvenue à vous, les joueurs et les joueuses. N'hésitez pas. Merci d'abord d'être là et n'hésitez pas à partager si vous pensez qu'il y a quelques amis qui pourraient être intéressés par ce qui s'est passé sur Trick Track cette semaine, les jeux auxquels nous avons joué et le pourquoi et le comment, les sorties en boutique, euh, et puis un petit peu ce qu'on en sait ou ce qu'on en sait pas. Après tout, mmh. ça peut faire partie aussi de l'information parce qu'il y a des fois des jeux qui sortent en boutique et on n'en sait rien. On savait même Exactement. pas qu'ils sortaient. Et c'est un nous petit nous peu arrive. triste. Oui, c'est triste. Hein, triste. triste. Et donc, tout ça, c'est dans notre débrief ludique. Et ça aura lieu le vendredi après-midi. Euh, François, est-ce qu'on peut commencer par euh, la rétrospective de notre semaine à Trick Track Non. D'accord, ben, c'est dommage. Non, parce que moi, avant, avant, de, avant de partir là-dessus, j'aurais juste aimé euh, dire un petit mot euh, pour une nouvelle qui est tombée cette semaine, qui bruissait déjà dans les allées de Cannes. Mais euh, Yves Renoux, qui était le président et fondateur de Paille, va partir à la retraite cet été. Et j'avais juste envie de lui envoyer un amical bisou. D'accord. Surtout que par le biais de la caméra, il risque pas d'attraper le coronavirus. <laughs> et... et Yves, c'est quelqu'un qui a... Qui, a... qui a fait beaucoup pour euh, le jeu de société, oui. euh, qui a fait émerger des tas de petits éditeurs à qui il a donné la possibilité d'être distribué avec un réseau assez important. Et puis c'est lui qui, a, qui est un des premiers à avoir cru à Dixit. Et voilà, donc euh, Yves et toute sa famille, bonne continuation à vous. Euh, alors on, on croise les doigts parce que ça veut dire que s'il arrête pas il, pas, il continue sans lui. Je n'en sais rien. D'accord. Donc là, du coup, on attend de voir un petit Je peu ce juste que ça donne. Il va partir à la retraite. D'accord. Donc et ça, c'était le côté... Côté Yves, la rétrospective de la semaine commence du côté de Trick Track avec, euh, dès lundi, un assez gros tournage. Alors c'est vrai, Léo aurait voulu que ce soit plus tôt, parce que question de calendrier, il aurait voulu qu'on puisse parler de Steam Watchers, oh. euh, qui est la campagne actuellement chez Mythic Games. Il est venu le faire lundi, et on a fait une partie d'anthologie. Euh, Figure-toi, François, qu'ils m'ont forcé... À trahir ma parole. Non, 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 j'ai vu. Non, t'as pas vu. J'ai noté des phrases. Euh, ils m'ont forcé à le faire. Oui, oui, de, de très très belles phrases qui étaient témoins d'une mauvaise foi autour de cette table qui était absolument Ah, bah oui, ah bah là, euh, entre Naël, JB mais, et Léo. Mais je t'ai vu quand même trahir tes petits oui, mais, camarades. Mais hein. ils m'ont forcé. Ouais oui, c'est <laughs> ça, oui. Ouais. Je t'ai vu dire euh, non, jamais je ne t'attaquerai, tu es mon ami. <laughs> Et la fois d'après, ben, je vais t'attaquer, mais ce n'est pas personnel. Ben bah non, c'est eux qui m'avaient dit ouais, de le faire. Pour, pas, pour bâcher le et leader. Alors, et tu as gagné euh, Ah oui, c'est vrai, tiens, en plus. Et il n'y a, a pas d'aider, pourtant dans le Team Watcher euh, Non, pas dans celui-là. Ah, mais voilà. <laughs> Donc du coup, lundi avec Mythic Game, on a découvert, on a papoté de l'actualité de Mythic Games, parce qu'effectivement, il y a eu quelques euh, remous entre les discussions qu'il y a avec Pascal Bernard, entre ce que certains euh, pledgers qui participent au financement participatif euh, stressés parce qu'il y a ouais. des projets qui ne sont pas encore euh, livrés et il y en a des nouveaux qui arrivent, etc. Donc, on a fait le point avec un petit papotage et puis ensuite on a découvert Steam Watcher. C'était lundi. C'est en vidéo, bien sûr, sur la chaîne Les Lives de Trick Track qui est la chaîne qui nous permet d'avoir nos VOD. Voilà. En tournage. On a continué mardi avec Lucky Duck Games. Euh, alors là, c'est pareil. On a fait une assez grosse journée puisqu'on a présenté euh, ce qui était arrivé avec le The de Game. Il y avait déjà de quoi faire et ils vont avoir une grosse année puisqu'ils présentent ah, oui, pas oui, moins oui. de euh, entre 14 et 18 titres, euh, ce qui est quand même pas rien. Et ils en présentaient dans la Trick Track Télé trois les petites bourgades qu'on avait déjà pu jouer. D'ailleurs, je crois que ah ben c'est dommage François parce qu'il est tout en tout en bas de ah la ouais. pile. Tu hein. je, je veux bien. que je continue euh, non, pendant ça comme si je on pas va là. vous le montrer, les petites bourgades, c'est déjà sorti Ou et c'est euh, une traduction, une localisation donc, euh, de Tiny Town. Euh, on a fait aussi l'île des chats et je dois avouer que j'ai été surpris parce que alors, moi le thème des chats, si tu veux, je me suis dit ok d'accord, on va faire du, du croquignolesque mignon, histoire de faire vendre et au final... Ah zut de zut le jeu a bien plus dans le ventre que, que simplement son thème des chats que j'aime pas trop okay, le voilà. ah ben bah voilà les, les petites bourgades alors l'île des chats on ne l'a pas parce que ça va arriver et il nous le présentait un peu en amont il y avait qu'une seule il y avait qu'une seule ça c'est les petites bourgades donc ça c'est déjà en boutique oui et ça se joue fort bien avec beaucoup de rejouabilité hein, puisqu'il y a plein de plein de cartes euh, là dedans ah il n'y a pas de zénithal pardon Florian <laughs> et puis le Chronicles of Crime oh Trop la magie de la télé. Millennium. Et alors là, pour le coup, euh, j'ai bien aimé Chronicles of Crime. Eh ben, maintenant que j'y ai euh, joué pour cette enquête-là, pour cette boîte-là, parce qu'il y en a trois, c'est encore du, du, du crowdfunding. Euh, Celui-là m'a beaucoup plu. Le changement d'époque. Euh, m'amène à une histoire autre d'enquête, un ah, m'amène, un ah, m'amène, ça m'amène à une autre enquête. Ce genre de jeu là, on va le cramer. Euh, et du coup, ça fonctionne plutôt, plutôt bien. Ben, ouais. Moi, j'ai vraiment été euh, ravi de, euh, de, de le découvrir. Est-ce que les flashcodes sont en aluminium médiéval hein Oh, punaise, ça aurait été ouais. trop bien le Duck, si c'est encore le temps, mais. Changer les flashcodes en enluminure, ça serait génial. À mon avis, je suis pas sûr que ça se. Ça serait compliqué, euh... à, mon avis, <laughs> à, à lire pour la plupart des téléphones. Mais voilà. Ça serait une bonne idée. Ah oui, ça serait très, très chouette. Et on va mettre euh... ici, on a fait va. mercredi la Night Quick Fever. Alors, ah la oui. Night Pick Fever, c'est encore pas tout à fait le titre officiel. Non, surtout qu'on n'a pas encore reçu notre boule à facette. Voilà. Mais c'est notre émission du mercredi soir. En sachant que ça sera tous les 15 jours. Un petit repas ludique autour de, euh, des nouveautés, de l'actu ludique, euh, on se permet pendant le repas, en fait nous, pour tout vous dire vrai, euh, on se met en condition pendant une heure, voilà, grosso modo, mmh. on mange, on boit, on papote un petit peu avec vous, on papote aussi un petit peu entre nous, en présentant des jeux qui nous ont flashé un petit peu, en en disant quelques mots mais sans aller plus loin, et on se met en condition pour le reste de la soirée où on l'a, on décortique en jouant. 3-4 jeux. Euh, normalement, c'est un petit moyen-gros, et puis s'il n'y a pas de gros, ben, on fait un petit moyen-moyen-moyen. Voilà, là, en l'occurrence, on a fait euh, Flying Goblin. Euh, je ne sais pas si je l'avais amené, ou alors je l'ai... Ah si, il est là Flying est là. Goblin, Corentin Lebras et Théo Rivière. Alors, on n'y a pas joué dans les meilleures conditions. Et Alors, tenu dans à... la classification internationale de Mathieu Despenoux, c'est un crétin-crétin oui. ou un crétin-malin Alors, moi, je dirais, ouais. justement, un crétin-matin. Euh, C'est-à-dire, ou un crétin crélin. Oui, c'est qui... ça. Oui. Tu te dis, mais oh, c'est trop débile, pouf, 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 t'envoies tes en fait, gobelins. Et en fait, il y a un petit peu plus et Il y a un petit peu plus Il faut savoir un peu viser, mais quand voilà. on arrive à se débrouiller un petit peu, tu comprends qu'il y a un mal. petit peu plus. Et il y a un côté, je vise pour marquer des points, et un côté, je vise pour aller améliorer les autres. Les autres joueurs, c'est toujours plaisant. Mais j'ai rassuré Mathilde en disant, oui, on n'y a pas joué de la meilleure façon possible parce qu'on était à 4, alors que, quand... enfin, à 4 serré, oui. Alors qu'on doit être en face de chacun un pan de la boîte. Mais on essaiera. de on essaiera comme Exactement. On a fait aussi association d'idées. Et alors là, du coup, on s'est quand même bien creusé la tête. Par Iversfeld et un vrai auteur, Thierry C. Oui, tout à fait. C'est ça. Qui du coup était dans le jury d'ailleurs. Tu le connais? Ah oui, oui, il était le jury. Moi, ce qui, ce que je trouvais émouvant, c'est qu'en fait, j'ai j'ai vu les premiers protos de, de Thierry et de Yves autour de l'association d'idées. Ouais. Et j'ai vu le moment dans l'œil de Thierry où il, a, où il a dit Ça va marcher, il faut que je quitte le jury. Ouais. Parce que je ne pourrais pas être dans le jury et, et avoir un jeu qui sort. Ouais. Euh, et donc, pour avoir vu plusieurs itérations du prototype. Euh, je peux vous dire qu'ils ont sacrément bossé dessus. Et c'est euh... chouette. Il y a vraiment d'idées, il y a voilà. plein de choses puis, à faire, euh... compétitif et puis le coopératif. résultat est vraiment très très ah, oui. chouette. Il y a du beau matériel, oui. c'est une boîte bien remplie oui. et le jeu est vraiment très chouette. Donc on y a joué pendant notre night Quick fever que vous pouvez retrouver bien sûr aussi sur la chaîne live trick track. On a joué à Cowboy Bebop et alors ça tombe bien parce que le Cowboy Bebop, et eh ben ça a été, tu l'as dit toi-même, une très bonne surprise. Euh, il me semble même que tu t'es fondu d'un petit mot personnel. À qui Non, mais ça, ça, ne regarde que moi. Mais ah. j'ai envoyé un petit <laughs> mot. J'ai envoyé un petit mot à l'éditeur et aux auteurs, euh, mais en cachette. Johan Benvenuto, Florian Siriex, voilà. Et pour l'éditeur, Don't et, Panic Games. Et Cédric litardi Cédric Litardi. Euh, en fait, ce jeu avait à la base tout pour me déplaire souverainement. C'est-à-dire un, un, un animé. C'est un animé dont je n'ai absolument jamais entendu parler. <laughs> Est-ce que c'est l'âge Non, j'aime pas, <laughs> pas trop les animés, mais j'aime pas trop les super-héros non plus. D'accord. Bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Hein. Tu joues à Marvel euh, Champion Pardon Tu joues à Marvel Champion Non. Pourtant, il est bien. Euh, hein. Oui, il est bien, mais j'aime pas le thème. Ah bon, mais c'est pas grave. <laughs> il y a d'autres trucs. Tout à fait. Je joue à Horror à Arkham. <laughs> euh, et, et en fait, je suis. Ça m'a tellement plu qu'après, j'ai regardé l'animé. Oui. Donc, euh, c'est Donc, que quand, quand même. que c'est grave. Hein et, et j'ai vraiment trouvé qu'on retrouve euh, un côté frais d'un jeu de deck building sans trop de fioritures, euh, un petit peu à la Dominion, quoi, quelque chose où un, un peu épuré. on enchaîne, on joue bah, très vite, etc. etc. Tu l'aimes et, bien Dominion hein Oui, et c'est quand même le meilleur hein, Dominion. Bah, et, mais... et puis la, la, le, le truc, c'est que ça colle. Alors maintenant que j'ai commencé à sais. regarder l'anime. Ça colle parfaitement au thème ah, passe. Bah, et oui. faire un super jeu vachement intéressant et en plus qui colle au thème. C'est euh, pas toujours facile. Voilà, et là, c'est un très bon deck voilà. building. On en reparle. Allez, dans quelques instants. Euh... <coughs> Pardon, je toussais avant le coronavirus. <coughs> <coughs> voilà, je vous montre l'exemple de ce qu'il faut faire puisque le président nous a demandé de faire euh, attention. Euh... Pour notre jeudi, c'est le jeudi du Croc et on a rejoué à Mystic Vale avec notre ami Croc pour deux raisons. La première, c'est que nous en avions envie et qu'il n'y avait pas de raison qu'on s'en empêche. Le jeu arrive bientôt en français. On y avait joué à deux avec Croc et j'avais sorti euh, une partie... Euh, non négligeable du jeu, elle était prête mais j'ai oublié de le lui dire et personne ne l'a utilisé pendant la partie, ça a donné une partie qu'on a filmée un peu étrange, on y a rejoué à 4 avec vous et cette fois avec les vraies règles à... enfin pas avec les vraies règles mais en usant vraiment des champs fertiles pour avoir oui. de la mana, c'est un jeu de draft deck building ou de deck, gra... comment ils disent de card crafting system, bref il voilà. y a du transparent on peut mettre jusqu'à trois cartes transparentes pour avoir le bas, le milieu, le haut euh, pour gagner des points, pour avoir de la mana, pour éviter d'exploser parce qu'il hein y a de la corruption, etc. etc. Euh, là, on y a joué avec les vraies règles et ça a changé, ça a pris de l'ampleur, mais en termes d'interaction, on est un petit peu euh, finalement un euh, peu plouf. Oui, mais je pense que c'est dû au fait qu'on a joué à 4. Hein, oui. Et que je pense que le jeu sans les extensions il lui manque est beaucoup plus intéressant à deux ou 3. D'accord. À 4, il est un peu long. Ok. Euh, ça reste quand même un jeu assez novateur, non, je suis assez euh, dans ouais. la façon dont on va bidouiller ses cartes, euh, et il a, y a vraiment beaucoup de choix sur le fait oui. qu'on met un petit truc sur chaque carte, ou on fait des cartes très très fortes, hmm. mais on ne va pas les sortir souvent. <laughs> euh, puis la thématique est pas mal, ouais. les illustrations les sont chouettes. Ah ouais, euh, ça avait fait pas mal de buzz à Essen quand c'était sorti il y a trois ans, il y a des extensions qui arrivent à peu près chaque année pour ouais. le jeu. Et Pierre euh, de Silex a... a dit que ça serait en français. Oui, ouais, il est... y a un jeu encore plus gros qui est sorti chez AEG, qui utilise une partie de cette euh... mécanique-là qui s'appelle Dark... Age of Darkness. Age of Darkness, merci. Euh... Non, c'est plutôt bien, oui. On attend à 4 la, euh, voilà. la partie interaction plus forte, parce que là, il y a un petit côté que, que, tu... La première que tu appelles tricot. Oui. C'est-à-dire qu'on prend plaisir à jouer, puis on prend plaisir à être ensemble, mais parce que c'est de bonne compagnie, mais le jeu ne nous pousse pas forcément et complètement à aller titi un petit peu, à aller plus vite que l'autre sur telle ou telle chose, à part un peu sur les points de victoire. Donc ça, c'était mercredi, et alors, il s'est passé l'irréparable. Une fois encore, Croc nous a apporté un Warhammer Underworld, le mal. Games Workshop, non pardon, Warhammer. Euh, c'est Warhammer Underworld. Et c'est Warhammer Underworld, c'est chez Warhammer, la boîte. Et en l'occurrence, il nous a montré le jeu en disant ah c'est trop bien, Shadowspire, euh, Underworld, tout ça. Il il se l'a il se un peu pété en amenant la boîte spécifique Barnes Noble que lui bien sûr il a tout ça, tout ça. Euh, je croyais qu'il l'avait porté parce qu'il lui fallait un jeu pour débutant. Oui c'est ça. Pour jouer avec moi, ouais. Ouais, ça va euh, François, c'est pas obligé de balancer comme ça en public. Bref, on y a joué. Eh ben, c'est pas qu'une question de présentation à la caméra. Avec Florian, qu'est-ce qu'on s'est empressé de faire? Ouais, d'aller dans un magasin après le tournage, mais vous êtes faible. On vous... est un peu faible. Hein ouais. On est un peu faible. Et on est tellement faible que, en plus, l'ami Florian, lui, il a pris euh, les équipes euh, qu'il avait euh, vu jouer parce qu'il aime trop, trop bien les Sœurs Hurlantes Fantomatiques qu'il a déjà presque commencé à peindre. Ah, c'est pas presque. Elles sont, euh... Euh, ben, oui, ben, maintenant, pardon, qu'il a hein. presque fini de peindre, voilà. Alors que moi, j'en suis à deux figurines montées de la boîte de base, mais par contre, j'aime trop bien. C'est des espèces d'elfes euh, faunes. Alors euh, vous avez vu, j'ai trop bien collé les trucs. On a, enfin non, c'est sans colle, pardon maintenant. Hmm. Euh, donc voilà, on a craqué et on va jouer à Warhammer Underworld parce que. C'est rapide, et juste après cette émission peut-être, euh, parce que c'est rapide, il euh, y a quand même deux ou trois petites combos, il y a un petit peu de hasard, il y a de trop belles figurines. Ça m'énerve parce que c'est Games Workshop, mais il faut pas le dire, c'est Warhammer. D'après bon... Croc et d'autres amis qui jouent pas mal, ouais. euh, a priori le côté de deck building devient euh, assez important une fois que tu... Commence à bien savoir jouer. Ouais, bah, façon, oui. Et que mmh. tu utilises des cartes neutres en plus de tes cartes. Euh, en fonction réservées. de ce que tu veux faire, voilà. exactement. Euh, il faut savoir que la partie tournoi-jeu organisé a l'air d'effectivement euh, avoir euh, bien pris. Et donc, du coup, des gens y jouent de façon euh, réfléchie, travaillée, etc. Même si en France, c'est un petit peu moins le cas. Et même si en France, les boutiques Games Workshop n'ont pas. Fin, oui, euh, Warhammer n'ont pas le droit parce que parce que ça prend trop de place, ça prend trop de ouais. temps. Bref, ça c'était pour le jeudi du croc euh, et on a préparé. C'est pour ça que j'ai pris deux petites boîtes parce qu'on en a fait une petite vidéo. Notre future émission de boîte d'initiation jeu de rôle. Oui. Alors ça c'est un projet, c'est toi qui nous l'as apporté, euh, François, parce que tu en voyais sortir de plus en plus et on s'est dit mince, on parle beaucoup de jeux de rôle. Il y a de l'actual play un peu partout. Oui. Euh, je viens de faire euh, avec l'équipe de Black Book Edition le Shadowrun, la le sixième ouais. monde, euh, puisque leur campagne de financement participatif est en cours. On a fait une, une émission, on s'est fendu la poire sur Shadowrun, c'était excellent. Et il y a de plus en plus de boîtes d'initiation. Et du coup, on s'est dit, ben, on va les prendre toutes. Toutes celles qui sont dans le commerce, et puis avec Damien, avec Croc, avec François et avec moi-même, on vous prépare une émission pour savoir quels sont les points forts, les points faibles, l'univers, l'accompagnement, oui. qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, le prix, euh, etc., etc., Il y ah, aura certainement plusieurs euh, vidéos. Oui, peut-être. Pour utiliser plusieurs formats. Oui. Euh, mais oui, il y a un des formats sur lequel on a envie d'être le plus exhaustif possible, le plus, voilà. Montrer en, tout. En, en présentant. Euh, euh, en essayant de, de, de présenter tout ce qui est sorti en boîte d'initiation. En boîte d'initiation. Ou en fausse boîte d'initiation. Voilà, et c'est là aussi où on s'est euh, rendu compte de, de, ou en boîte de, de distinction au jeu de rôle ou en boîte d'initiation à, à un, un jeu de, de rôle. Voilà. Enfin, bref, bref, tout ça est très compliqué et c'est un chantier sur lequel nous sommes... Euh, en train de travailler. Voilà. Ça veut dire de la lecture, ça veut dire du temps de jeu, mais en tout cas c'est en cours, et enfin nous terminons avec aujourd'hui, aujourd'hui notre petit débrief de la semaine, ce qui me permet de passer à la deuxième partie, puis un jour euh, avec euh, Florian on a dit, enfin il le sait pas encore, mais on a dit qu'on ferait un espèce de jingle, tu sais il y aura un truc qui passera oui. comme ça, et, et puis euh, ça sera marqué les hotness alors ça. les hotness du site de TricTrac, que s'est-il passé ces derniers temps Eh bien, écoutez, on sait, en tout cas par rapport à l'actu, je vais te l'apprendre peut-être, mon bon François, que actuellement, ce qui a passionné ou ce qui a marqué ce, ces derniers temps sur TricTrac, c'est Cannes. Oui. Donc, ça reste Cannes. Les quatre actus euh, qui trustent les premières places euh, sont le buzzomètre qu'on avait mis en place pour Cannes, les jeux qui buzzent pendant le mm -hmm. festival et ses résultats. L'article qui condense un petit peu notre festival de Cannes qui est arrivé après, euh, mais avec un petit peu les avis de tout le monde, Alors, comment est-ce qu'on l'avait vécu. Moi, là, je n'ai pas du tout participé à l'article. Je l'ai lu uniquement en tant que lecteur lambda. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien d'avoir fait quelque chose d'aussi fouillé. Non, merci François. Voilà, je te le répète même si je ne travaillais pas à tric trac Promis C'est promis. Cet article s'appelle Le Festival des Jeux de Cannes. Cannes, Cannes, tuk. Alors, c'est parce qu'il y a la chanson que ce titre est répété, oui. hein, chanson que Julien ça a chanté pour nous. Euh, donc, ceux qui ne comprenaient pas le titre, il faut regarder quelques émissions du Festival des Jeux de Cannes qu'il y a sur la chaîne Trick Track pour comprendre. Et enfin, le quatrième, tu sais, c'est lequel, le quatrième? Ah non, là, tu en as dit que deux. Ben, non, c'est parce que Bezomètre et résultat, c'était deux news, ah, mais c'est autour okay. du Bezomètre. Le troisième Festival des Jeux de Cannes, en fait, il est en deuxième, oui. peu importe. Le quatrième, il okay. s'intitule S'habiller avec élégance. Ah oui. Tu connais ça Non, je crois pas. Si vous voulez à la fois soutenir, à la fois découvrir, que ce soit des mugs avec des illustrations, des petits t-shirts je canapé ou de ça, eh bien voilà. mais quel hasard Mais il y en avait là, dis dans cette... Alors, certes, on va pas se mentir, il y a un intérêt qui est un intérêt économique. Un petit peu. Zéro souci là-dessus. Par contre, en termes artistiques et esthétiques, il y a des idées à venir. Oui. Et au-delà de l'aspect, ben, on vous nous aimez bien, vous avez envie de nous aider, ça peut être ça, soit, pas de souci. Mais il pourrait y avoir aussi un petit côté, j'en ai rien à faire de savoir d'où est-ce que ça vient, j'aime trop cette illustration, et je la prends en voilà. t-shirt. Voilà. Donc ça, c'est à venir. Mon préféré Stéress Arcana, elle est par là euh, Non, je l'ai ramenée ah à la maison. Vite. Ah ben voilà, bravo. <laughs> Mais t'as vu, il y a euh, Oriflamme avec le puic euh, qui est tout là-haut, je sais ouais. pas si on le verra, ou on le verra. mais il est là aussi. Euh, et enfin, en cinquième, j'ai mis les trois parce qu'elles se tirent la bourre ah. à quelques pouillemes de points. Et vu la façon dont les points sont calculés, ça veut dire qu'effectivement c'est à une lecture ou un commentaire ouais. que ça se joue. On retrouve enfin des jeux ah. Et là, c'est notre rédaction qui est mise à l'honneur puisque on a Akagure Studio H, c'est Christophe qui l'a écrit. Ouais. Le jeu à venir derrière oui. Oriflamme Donc, euh, du coup, certainement que ça a amené un petit peu d'intérêt ouais. aussi sur le prochain jeu. Forcément. Mystery House euh, chez Gigamix a été oui. écrit par Tapi Moquette parce que le jeu a quand même. D'ailleurs, peut-être que ça va sonner euh... à un moment. Ah, mais oui, ça. Est-ce qu'on peut avoir un Mystery House par euh, Pigeon Voyageur par, euh, Attention, parce que là, en termes de pigeons, on va se le prendre dans la tronche, ouais. François. Tu sais que nous, en direct, on est assez. Il peut se passer des choses très cash. Il peut se passer des choses, mais. <laughs> on avait demandé une livraison express par Gigamic. Et euh, du coup, c'est euh, Gigamec. C'est Gigamec, Gigamec qui nous l'amène. Il Gigamec qui nous après, l'amène. Euh, après Gigamic. Ah, c'est euh... trop fort. Non, 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 pas. non, non ne l'envoie pas. On ne joue pas avec des jeux. <laughs> non, on ne joue pas avec des jeux. Voilà, alors c'est voilà. pas celui-là. Oui, c'est celui-là. Oui, merci. Celui-là, tu peux l'envoyer. Un, deux, trois. Oh la vache. Voilà, c'est Mysteriaus. Voilà. Et. Euh, Hop. On n'a pas besoin de vous en dire plus si ce n'est que c'est un jeu un peu d'escape et d'aventure avec des portes à enlever, à rentrer, oui. à découvrir. Un objet ludique vraiment particulier. Et d'ailleurs, on aura bientôt euh, Gigamic. Alors, le coronavirus nous oblige à le décaler un petit peu. Euh, ou pas, on va voir. Ou pas, parce que c'est vrai qu'on ouais. pourrait le faire euh, entre nous. Ah, tu viens de te prendre non, un poisson. Oui, c'est normal. <laughs> c'est ah, le pigeon voyageur. Oh les vaches. Ah, Mystery House! C'est la maison hantée. Et donc, du coup, euh, l'article écrit par Tapi Moquette arrive dans cette cinquième ex -aequo. Et enfin, c'est pour ça que je disais qu'on allait en reparler. Raf Park nous a parlé de Cowboy Bebop, qui, lui, se retrouve lui Et aussi oui. en cinquième. Donc, visiblement, ça titille quand même bien. Il, il, est, il est là, Cowboy il Bebop. Est là. Ouais. ça titille quand même bien il les joueurs, ici. aussi bien sur la licence que sur l'aspect deck building. Ça, c'était pour les hotness Actu. Qu'est-ce qui vous a intéressé en termes de jeu ce, ces derniers temps eh bien écoute, Rest Arcana, en ah premier oui. lieu. Donc là, pas pour étonnant. le coup, pas étonnant. Cannes, nomination, prix, mmh. boum, Arcana. Ça tombe bien d'ailleurs parce que, alors pas en deuxième, en deuxième c'est Cryptid. Cryptid oui. chez Games, mais le jeu est un peu magique, le jeu oui, est particulier. Oui, oui, oui. Donc le jeu a interloqué un petit peu les joueurs, ça se le file. J'ai d'ailleurs vu que sur les, les forums, justement, ça se filait un petit peu en disant, ah, ben, allez regarder, effectivement, il est, il est joli, il est... On départ, on dirait un petit peu simple. Mmh. En plus, c'est Quan Chai Moria, j'aime trop. Mais au-delà de ça, les joueurs se disent, waouh, non, non, ça fonctionne super bien. Donc, le voilà en deuxième. Le troisième n'est ni plus ni moins classe d'or, Oriflamme. Comme quoi, certainement, le prix lui aura redonné aussi un regain ah ben, d'intérêt, puisque c'est un peu l'outsider. Oui. Euh, okay. En quatrième, on a Root. Oui. Et puis, alors. Le cinquième et le sixième, je les ai mis parce que je m'attendais à ce que ce soit dans l'autre sens, parce qu'il a bien buzzé à Cannes, Nid Avelir. Mmh. Et eh bien non, il s'est fait dépasser dans la hotness par Monumental, le jeu de chez Funforge. D'accord, mais ça, ça doit être dû au fait que les premiers chanceux ont reçu leur boîte. Donc, l'un expliquant l'autre, ouais. malgré tout, Nid se fait tailler le costard. Il arrive sixième mmh. par rapport et à, à pour, euh, on, on avait la chance de ne pas être très très loin de leur stand à Cannes. Tout à fait. Et euh, ils sont repartis. Et, et en, dehors, en dehors de l'équipe de Greu Game, qui, qui a beaucoup bossé, mais c'est normal, c'est leur boulot. Ouais. Mais, euh, mais il, il faut quand même saluer l'éducation de Serge euh, oui. Euh, wow. qui... Ah oui. Waouh Quand un ouais. éditeur a un auteur comme ça qui mouille autant sa chemise <laughs> pour défendre son jeu. <laughs> Moi, je l'ai vu, fort. je l'ai vu se lever du stand et repartir euh, après un hein, soirs Je si c'est a priori, il n'y avait pas que la chemise qui était. Ouais. Enfin, bon, bref, peu importe. Euh, ça, c'était pour les <laughs> ce jeux. Voilà comment on lance des petits, hein des, des bruits de couloir. Hein. Hein euh, et enfin, dernière et troisième partie de notre débrief ludique de la semaine, c'est les sorties de la semaine. Alors, c'est tout nouveau, donc on n'a pas encore. -être on n'a pas, pas forcément tout visuels, Il euh, y en a deux ou trois qui sont ici, on va vous les montrer. Euh, le Scorpion Masqué a fait un super travail sur euh, un jeu pour euh, plus jeunes et qui fonctionne parfaitement. Mia London. Mia London et l'affaire des 625 fripouilles. Une fois encore, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer le travail. Alors l'objectif euh, est entre guillemets assez simple. On a... Un petit personnage dont il va falloir refaire le portrait robot parce qu'a priori c'est une crapule. On va faire passer des cartes. Celle qui n'est pas en double ou en triple, c'est que ben elle a été mmh. écartée. Donc il va falloir la retrouver. Il va falloir faire la retrouver pour le chapeau. Il va falloir la retrouver pour les yeux, puis pour euh, les moustaches. Et puis euh, et puis et puis pour le, euh, le bas du le nœud papillon. Le menton. Autre, voilà, le, le menton avec son nœud papillon. Ce qui nous donne. Le coupable, si on ne s'est pas trompé, et en plus, ce qui nous donne l'histoire de ce qu'il a fait. Donc là, en l'occurrence, c'est par exemple un scélérat aux lunettes exubérantes qui a dessiné des milliers de monstres au feutre indélébile sur les toilettes de toutes les maisons pendant que tout le monde dormait. Mais me à London ne laissera pas ce crime impuni. Donc, tu fais ton jeu Ça me fait et t'as ta à dit... dans mais je... Tu moi, tueras moi, pas qui. <laughs> Le jeu est assez simple, mais on a ce petit carnet-là, on s'amuse à faire à la fois les petites histoires. Il n'y a qu'une seule petite critique, ou alors il faut que notre ami euh, euh, Christian Lemay du Scorpion m'explique c'est qu'a priori, tu peux avoir ce bonhomme-là. Oui. Mais lui, il n'a pas d'histoire. Oh Ben oui, alors du coup, je. Et elle n'est pas là Ben non, parce qu'a priori. C... Elle ah, est là Peut. Ben oui, c'est ça, oui. Ah, quel crétin je suis un gredin à la moustache et ébouriffante. Bon, ouais, bah, ok, bah, voilà. Bon, bah, j'avais une. Alors, euh, on je... remballe la critique et ah, puis on ferme sa bouche. <laughs> <sujet. rire> en tout cas, ça marche très, très bien avec, oh. les... avec les enfants, je vous le dis pour l'avoir fait. Moi-même, ouais. euh, l'expérience. Donc, ça, ça vient de sortir. On a aussi Save the Dragon chez Blue Orange, euh, qu'on a montré à Cannes. Oui. Donc, euh, vous pouvez retrouver sur la chaîne des VOD cette petite explication. Un jeu en 3D et qui reprend un peu euh, ce jeu de foire, tu sais, où on doit faire tomber une, une boule qui fait boum, boum, d'un côté, très pam, pam, Cannes, très Ça très marche bien. Ouais. super bien. Euh, et ça sort en ce moment. Et donc, euh, Save the et Dragon. Et je pense qu'ils vont venir mardi. Oui, ils viennent voilà. mardi. Donc, nous l'aurons dans la Trick Track Télé. On a aussi chez Matago une première euh, dont on a un petit peu parlé déjà, parce Camille, me semble-t-il, sur notre rédaction en a fait l'article. J'espère que je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas il est à venir. C'est Boomerang Australia, oui, qui est un, si un, un, un drone Bright. Puisqu'il faut ouais. que tu te fasses, une, enfin, ou un draft and write, il faut que tu te fasses une, 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 des, une main de carte pour pouvoir préparer ton voyage mmh. et faire les différentes étapes avec lesquelles tu coches sur ton petit papier. Euh, et du coup, comme Camille aime beaucoup les, les roll and write ou en tout cas les quelque chose and write, euh, elle était toute, euh, toute intriguée. Elle a trouvé qu'il y avait bien quelque chose autour de ce jeu là. Et puis Matago ressort talisman. Qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est le talisman, le talisman de Games Workshop de l'époque. J'ai pas eu le temps de regarder encore. Hein. Parce qu'il me semble que moi, dans ce que j'ai vu, il y a un petit côté euh, familial. Donc ouais. ça veut dire qu'éventuellement, peut-être que ça a été un peu retravaillé. Euh, il y a un côté potentiellement coopératif. Et, et ce talisman, mais qui existe depuis. Il a fait partie des livres-jeux de chez Gallimard. Talisman ouais, le, la première Non, comme le Roi Sorcier. La première édition doit dater de 83 ou 84. Un, un jeu qui a une fille de fou. Une boîte en plastique. Oui, c'est ça. Oui, euh, oui. Ouais. Et donc Forme du coup, bouquin. il s'en revient. C'est chez Matago. On est impatient. Enfin, moi en tout cas, qui est la première et celle de Edge. Euh, donc euh, retrailé, FFG, ouais, FFG ouais, mais en, super version, en carré. Ouais. Euh, bah, j'attends de voir ce que celle-là nous proposera. Mmh. C'est sorti cette semaine. Alors le Zygomatic. Est-ce que tu connais Zygomatic Oui. C'est un studio. C'est un studio d'Asmodee. et Eh ben, il continue de travailler sur l'IP Double. Et voilà ben, cette Double Pack. Mmh. Ils ont cherché <laughs> un petit double. Donc. Alors il y a le mini double ou voilà, le double mini pocket double mini. Double double mini. mini. Et puis, double pack, parce qu'on bah, arrive un petit peu près ah. dans cette période-là. Il doit y avoir des œufs en chocolat, je pense que ça peut être des... Je ne sais pas combien il y a actuellement de versions de double. Ah, il y en a pas mal, et puis il y en a plein aux États-Unis. Euh, les, les Star des... Wars, la, laine, la reine plein, des neiges. Plein, plein de, de, ah, la chaîne de succès de la licence. Donc, euh, la oui, laine il y de verre. des doubles. Double. double. Euh, Repos-production qui vient de passer dans le giron Insmodé aussi, euh, sort la recharge pour concept, qui était aussi présentée à Cannes. Oui. Là, c'est dans les boutiques. On a euh, Space Unit qui est chez Macaca. Donc là, c'est de la BD dont vous êtes le héros. Euh, avec à chaque fois un petit trick en plus. Euh, on a les articles sur Trick Track dans oui. la catégorie professionnelle. Donc si ça vous branche, n'hésitez pas à le découvrir. A priori, euh, on est un petit peu ambiance alien. Donc l'équipe risque d'aller euh, s'amenuisant ah. au fur et à mesure. Alors ce qui est bien ça. dans cette collection, c'est qu'il y en a pour tous les goûts ah, et tous les, âges. tous les âges. C'est-à-dire oui. qu'il y en a qui sont assez matures. Euh... Oui. Plutôt ado adultes oui. hein, et puis il y en a qui sont vraiment pour les enfants euh, oui. hein, qui apprennent juste à lire, et c'est pas mal d'avoir une collection. Ah, dont à... vous êtes le Je ne vais pas dire le contraire, j'attends avec impatience des nouvelles de l'obsidienne. Le droit de perdre sort géant stupide, et si tu te souviens, euh, on était à Vichy. Oui. Quand le droit de perdre nous l'a présenté Tout côté salon pro, eh bien voilà, le droit de perdre sort ce géant stupide avec ces gros géants qui chopent des rochers, qui les voilà, montent, qui ça, se les balancent, qui se font tomber, ah. etc. Un jeu euh, étonnant parce que du coup on s'attendait à un jeu euh, un peu poète poète. Moi personnellement, ah. mais c'est le côté le droit de perdre. Mais en fait, c'était pas tant que c ça. Quand même, euh, ouais, pas tant que ça. Costaud. Euh, Time Bomb Evolution. J'ai oublié de prendre la boîte. Que Yellow m'excuse. Parce que oh mince mais nous l'avons. Oui, attends, je reviendrai à ça. Mais nous l'avons. Et Time ouais. Bomb Evolution, je ne jouerai plus. Désolé, pardon. <coughs> je ne jouerai plus à Time Bomb parce que Time Bomb Evolution est dix fois mieux. Hum. Voilà. Et c'est rigolo parce qu'il y en a qui disent le contraire. Hein. Ah ben, bah, tant pis pour eux. Donc, Ils ont euh... le droit. Non mais ouais. une fois encore, c'est question de goût. Et là, envie. je, je m'engage juste sur mes goûts à moi. Là, il y a un niveau euh, un peu plus joueur qui me donne envie d'entrer dans l'interaction. Hum. C'est-à-dire que tout d'un coup. Aller couper un fil, c'est pas simplement, c'est un bon fil ou un mauvais fil. C'est je vais couper un fil, oui mais attends, fais gaffe, il t'a dit ça, peut-être qu'il veut couper le fil de telle couleur ah, parce que fait. là la bombe va exploser. Tu crois Mais non, euh, lui il a dit que c'était lui qui avait le dernier. Et là du coup moi j'ai quelque chose sur lequel je peux étayer les discussions ouais. et les argumentations tout pour savoir fait. qui est dans l'équipe. Et puis il faut savoir argumenter parce que... Un petit peu. Les, les, bons, fils et les, les bons fils et les mauvais fils, c'est un peu comme les chats. Hein, comme... hein, oui alors... c'est ça, il y en a qui ont une pincette voilà. qui coupe, mais c'est des mauvais ouais. chats, c'est des mauvais ouais, coupeurs. Tout à fait. <laughs> Euh, Kraken Attack attaque en parlant de Yellow, mais là c'est Loki. Hop. Il était présenté à Cannes. Euh, alors il euh, y a un... le, le, le matériel, l'effet waouh attracteur est génial parce que tu as y a le pas bateau. Il hein, n'y mais... a, a pas d'attracteur. Non, mais ouais. euh, attractif alors peut-être. Mais mais il y a, y a des... Ah, des trucs géniaux là. Et alors vraiment, regarde, tu construis vraiment le 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 parapet, le bastingage du bateau, et tu as vraiment les petites euh, tentacules qui viennent comme dans les films de pirates euh, arracher euh, le bateau, faire des trous et prendre ouais. le risque de couler le bateau. Et il faut essayer de dégoûter le kraken de continuer d'attaquer. Ça marche super bien. Euh, la mise en scène est juste vraiment tip-top, et tu sais quoi C'est un jeu d'Antoine Boza mais pas que, puisqu'il l'a fait avec Esteban, celui-là même dont on a une carte de Seven Wonders, oui. son fils. Et bien maintenant, bam Auteur de jeu, bam, bam Donc du coup, ce Kraken Attack vient de sortir, il est très 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 bien. Voilà, moi je vous le conseille, euh, vivement qu'on puisse y jouer en Trick-Track Télé, avec l'équipe de Yellow ou entre nous, parce que c'est tip-top. Euh, chez Gigamic, on a aussi Similo. Ils sont, ils ils sont juste là. Voilà, ils sont juste là. Et d'ailleurs, on en parlera avec Gigamic au cours de, de la Tric Trac télé, dans laquelle on fera Mystery. Oh bah, je veux bien, Florian. Juste à ce moment-là, on va faire encore tourner une ou deux boîtes. Euh, Similio euh, Il va falloir réussir. À... C'est un jeu de communication. Il va falloir réussir à faire comprendre de quel personnage on parle, mais en utilisant les autres personnages. Attends! Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait en... <laughs> lancer. Euh, donc on a, euh, on a les contes, on a les personnages historiques, alors en plus c'est dessiné par Nayad, j'aime autant vous dire que pour ceux qui aiment ce garçon ça va leur plaire, euh, et puis on a aussi les mythes. Et on peut éventuellement euh, un peu mixer les plaisirs. Oui. Le jeu est assez simple, il hein, y a juste un personnage à trouver, et il faut utiliser les autres personnages pour se servir des indices parce qu'il y a une similitude hein ou une différence et essayer de faire comprendre. Donc c'est vraiment un jeu de communication très simple, qui dure euh, 10 minutes, donc assez rapide. J'attends d'en savoir plus, au-delà des illustrations, pour découvrir un petit peu euh, le jeu. En tout cas, ça fait partie des nouveautés. Et enfin, sur ce mois de mars et dans les jeux qu'on a... Ah oui, si, c'est vrai, il y a les nouvelles enquêtes de Undo, mais elles arrivent bientôt. Bon, un mais on peu... va en parler la semaine prochaine. Exactement. Et enfin, euh, dans ce mois de mars, dans les derniers jours qui sont sortis, est, euh, est arrivée la dernière extension, la première en l'occurrence, de euh, Villenius. Mauvais jusqu'à l'os, c'est celle-là, hein, parce que oui, c'est ça, mauvais jusqu'à l'os. Oh, oh, très fort Guillaume, avec Hadès, Docteur Facilier et la méchante Reine. Euh, ami, ami éditeur et ami éditrice. Une fois encore, nous avons peut-être omis. Parce que euh, il nous arrive de nous oublier. Enfin non, c'est pas comme ça qu'il fallait le dire. Non, Parce que ça, pas veut, comme ça, non. ça veut pas dire la même chose. <laughs> On peut le refaire <laughs> parce que nous pouvons oublier, oui. oublier qu'il y a telle ou telle sortie, la surveillance des réseaux, même si nous ne sommes pas les seuls, hein, puisque on peut citer euh, Rexu qui travaille aussi par rapport aux jeux qui sortent et à ceux qui se classent oui. dans les sorties. On peut aussi citer un monde de jeux puisque Sylvain Zito et euh, Martin Wittberg euh, avec Aline font aussi les sorties. Les sorties du mois, les sorties de la semaine, etc. Donc il peut arriver que nous en oublions, on pourra se rattraper. Euh, et, puis, et puis, en fait, c'est une question d'information. Donc parfois, on se rend compte que l'information a du mal à arriver jusqu'à tous les créneaux. Donc du coup, ben, voilà, on s'en est C'est pour, cette... pour ça que si vous êtes éditeur euh, de jeux, c'est une bonne idée d'envoyer des services presse à TrekTrak. Ouais. Pour qu'on puisse en parler <laughs> Pour qu'on puisse y jouer, le montrer et en parler voilà. Tu as raison Des fois, il y en a qui oublient Il y, euh, y en a qui oublient euh, On, on a vrai. fait le tour, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Il y a presque une trentaine de jeux qui viennent d'être ouais. abordés en, je ne sais pas, Florian, combien 30 minutes ah, 46. Oh ça ouais. va. 40 minutes. On est un petit peu plus que ça. On est là. Euh, voilà, c'est notre petite émission petite 40 minutes. Tu parles Guillaume. Je, je voulais parler moins vite que Fal quand il faisait le moisenal, mais finalement ça mais ça, a été. ça ça carbure ça quand même. Hein. Ça va ouais. Merci François d'avoir été mais avec rien. moi. Je ne sais pas si euh, la prochaine fois ça sera avec Mathilde, avec Germain, peut-être que moi je ne serai pas là, c'est Mathilde qui le fera avec Florian. Bref, quoi qu'il en soit, on aura à partir de maintenant et on essayera de s'y tenir, croisons les doigts, un débrief ludique genre le grand journal. À Trick track merci à vous d'avoir été présents portons tous ensemble la bonne parole du ludique parce que des amis joueurs et des amis joueuses vous en avez certainement autour de vous et on serait ravi de les retrouver à bientôt pour de nouvelles aventures ludiques amusez-vous bien bon week-end bon week salut salut!